jette l'ancre près du rivage. C'est bon, tu es équipé? Je suis prêt, j'assure un max là-dedans. Ça me file une gouache d'enfer. Je vais tout casser, je suis au top. Dis, Dimitro, et si tu emmenais ton EGO dans le H2O? Ce serait un beau CADO, alors mec? Ouais mec, c'est bien tenté. Mais tu vois, ma super classe stylée, c'est comme la fumée, elle est insaisissable. Mais tu sais quoi mec? Pourquoi tu veux m'imiter alors que t'as ton propre tortue style? Bien! Ton objectif est derrière le récif. On a besoin de plus de bacs d'amplificanon. On va placer le bateau au-dessus de l'épave et t'envoyer un panier dans lequel tu pourras les y mettre. Cool, mec! Je chope les bagues et je remplis le panier à donf. C'est ça. Et tu veux équiper ton masque d'une optimisation de profondeur? Ça t'aidera à repérer les requins. Hé, l'homme-poisson! Tu peux te diriger en utilisant les touches de déplacement. Appuie sur la touche R1 pour tirer au harpon. Le bateau et on fait descendre le panier pour que tu puisses y mettre les bagues. Et petit conseil d'ami, si un requin t'attaque, sers-toi des touches symboles pour nager de biais. Ça pourrait bien te sauver la vie. Les bagues d'amplificanon nous seront précieuses pour venir à bout du tête de mort. Sans elles, nos canons seraient inefficaces. Trouve-en encore 5. Ça fait 2. Il en reste 4. On doit la sauver, Dimitri. Nous avons quelques bagues à bord, mais sans le kit complet, on ne pourra pas calibrer les armes pour un... Ça fait la moitié. Plus que 3. Renforcer notre poudre à canon en utilisant des os de requin marteau. Comme ils aiment les poissons très jaunes, tu dois aller sous les récifs et en capturer quelques-uns. Ils sont là-dessous, mais tu vas devoir nager vite. Thank you.
On remonte le tout maintenant. Passons à l'étape suivante. Pour faire bon usage des bagues, on va devoir renforcer notre poudre à canon en utilisant des os de requin-marteau. Comme ils aiment les poissons très jaunes, tu dois aller sous les récifs et en capturer quelques-uns. Ils sont là-dessous, mais tu vas devoir nager vite. Oui, attrape-en encore un et les requins-marteaux ne tarderont pas. Dans une chasse en eau profonde. N'oublie pas de nager de pied si un requin t'attaque. C'est le meilleur moyen de ne pas te faire croquer. Enfuis-toi au bon moment. Mais essaie quand même d'avoir tous les requins-marteaux des environs. Mais essaie quand même d'avoir tous les requins-marteaux des environs. Tous les requins-marteaux des environs.
aquatique, Dimitri. Il ne reste plus qu'un seul requin-marteau, on dirait. Grâce à tes prouesses diaboliques, on est maintenant très bien armés. Tu mérites bien ta place au sein du clan Cooper. On peut maintenant affronter le tête de mort. On va voir si la fouine est toujours malin avec un poulet en pleine face.